Je viens de sauter, hein, sans regarder où est-ce qu'on va. Ah, ça m'étonne pas. Oh là là. Et niveau stamina, comment ça se passe, là? Quoi? On en récupère. Ouais, ah ouais? Parce que moi, je la perds très vite, là. Hein. Non, là, dans ma zone. Ah, c'est bon. Je veux juste récupérer mes baskets. Ouais, on va faire ça dans l'ordre. Comment ça? On te les a piquées, Lawan? Si tu savais où elles étaient, pourquoi t'as pas été les chercher avant? Je voulais voir s'il y a un move en parapente où tu peux utiliser le grappin directement. Ça peut être assez stylé aussi. Ça me fait peur, hein. T'es où? Je vais me péter la tronche, là. Faut s'arrêter, là, t'es où? Bah moi, je suis... Comment ça, je vais où? Mais comment ça, tu es où? Mais comment ça? Mais tu vas où? Je suis en train de tomber, je suis en train de tomber. Mais c'était là-haut. Oh putain, la roulade! Oh, je me suis éclaté, j'ai mal. Mais elle est morte en plus. Mais bien sûr que je suis morte. Ah, je te vois. J'ai eu super mal, hein. Ouais, mais j'arrive. Pourquoi tu t'es pas arrêté avec nous? Mais avec comment Lawan ça et moi? Ah bah moi je savais pas. Moi j'ai continué mon chemin. Attends, t'as pas un truc de TP là? Si, viens. Ah. Parce que écoute, sinon fallait que je refasse du parapente depuis le début. Conteneur d'inhibiteur détecté. C'est bon? Allez go. Oui. J'ai envie de tomber là. Tu vois cette ouverture? Appartement 216. Va me chercher une grande boîte rouge avec liseré doré. C'est là que j'ai rangé mes chaussures. Tu viens pas avec moi? C'est ta faute si j'ai pourri les miennes. Va m'en chercher d'autres. Tu entres, tu prends les godasses, tu sors, et tu touches à rien d'autre. C'est pigé? Non mais alors, déjà... Par contre, on n'est pas son larbin, dit... là. Non mais c'est ça, on lui a jamais dit déjà de venir nous chercher, et quand bien même, c'est pas notre faute si elle est pas douée, et quand bien même, genre, bah, c'est ça, on n'est pas son larbin, en fait. Non, mais pourquoi tu viens pas avec moi, par contre? Voilà, exactement. Tu mets le doute, Lawan. Qu'est-ce qui se passe ici? Va me les chercher, c'est tout. T'es monté au sommet de cette putain de tour télé. Tu peux bien aller dans un appartement, non? Ouais, il y a quelque chose. De ce que je vais y trouver. Insupportable. Il y a quelque chose, je pense, dans cet appartement. Très bien. Poule mouillée. Alors. Qu'est-ce qu'on doit faire ensuite? Bah écoute, faut chercher ses chaussures quoi. Non, vraiment. Entrer dans l'appartement 216. 216, c'est ici. Non mais attends, c'est un truc de ouf là. Ah c'est bon. De quoi? Je suis pas réveillée moi aujourd'hui. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Je suis à l'intérieur. Ne touche à rien. Tu bah tu vas voir, va. Viens on touche, viens on touche, on démarre le truc. Comme ça. Allez hop là. Voilà. C'est fait. Ah, voilà. C'est incroyable. Non mais attends, tu veux quelque chose à manger? J'en profite, hein. Y'a rien. Ouais, tu me le feras pas, moi, c'est vide. Ah, y'a des chaussures, là. Attends, attends, on fouille pas les chaussures avant. Y'a un radio casse, y'a des trucs avant. Ah oui, ok. Cool. Je me demande si ça marche. Ah, y'a une cassette écrit Lawan avec notre un autre mixtape. C'est pas... C'est pas la Lawan que je connais. Ok, moi j'avais pas fini de fouiller, hein, je te le dis. Il y avait un autre truc ici, ah mais tu l'avais peut-être pris. Ah non, j'ai pas pris. Non mais... Il me semblait qu'il y avait une autre loupe, mais non, ok. L'autre loupe c'est pas... Ah bah si, attends, si si. Là, ah, c'est là-bas. Le tapis. Ah mais il me semblait en avoir vu une, ok. C'est cosy ici. Je crois qu'on va lire tout ça pour ça. Ok. Bah. Moi, tu veux faire l'étage, mais. J'ai l'impression qu'il n'y a rien. Par contre, ça parle d'un conteneur. Bah, il y a l'inhibiteur. Ouais, le conteneur, ouais. Attends, il y avait un truc à analyser là. Ah, bah vas-y. Ah, mais c'est derrière aussi. Ah, c'est dans la pièce de derrière. Et comment on y va cette pièce? Ah, là aussi, regarde, il y a un papier. Ah, ouais.
Waouh, la one. Pas mal du tout. Mais où est-ce qu'on... Comment on y va? Attends, ça se trouve, c'est un truc secret, imagine. Conteneur d'inhibiteur à proximité. Et tu crois que c'est un passage secret vers la pièce où t'étais? Peut-être, hein. Je me demandais, justement... On peut pas c'est prendre bizarre, une pièce à côté, hein. C'est forcément une... Je sais pas, peut-être ça va se déverrouiller après aussi, sait-on jamais. Vas-y, go faire la quête, hein. Allez. Tes bottes pour... Ah, mais c'est pas les chaussures qu'elle cherchait, tu vois. Ah. Ça y est, tu les as trouvées. Je suis désolé, je vois aucune boîte rouge. Crétin, tu cherches pas où il faut. Il y a une autre pièce derrière le contreplaqué. Ah, bah voilà. Ah, voilà. Par contre, faut qu'elle arrête vraiment de nous parler comme de la merde, parce que là, ça va suffire, hein, ces conneries. Ça doit être ça, non? Ah là! Ah oui, je vois ton truc, ouais. Il y a une autre pièce derrière le contreplaqué. Ah là, en dessous, baisse-toi. Oh, il y a une photo! Vas-y, il faut pousser ici, là. Attends, on regarde avant la photo, hein. Elle a dit on fouille pas. Là, ouais. T'as l'air presque... heureuse. Il l'a mis dans sa poche. Allez, hop. Là, la one qui crie tout le temps, qui est tout le temps bien chiante et tout, tu sais. Grave. Tu te dis si on peut avoir des dossiers sur elle. Un joli petit nid. On lui demande qui c'était le type, ça se fait pas en vrai. Bah non, ouais, on va éviter ça par contre, parce que si c'était son mec ou quoi qu'il est mort... Pourquoi larguer tout ça pour ce trou à rat du fichaille? Parce que ce trou à rat, c'est chez moi. J'ai pris ce dont j'avais besoin. Sauf les chaussures. Déjà, si elle veut pas y aller elle-même, c'est qu'elle veut pas se rappeler tout ça, donc... Bah, je pense, hein. Inhibiteur derrière. Ah. Les compétences, j'ai dit que j'allais mettre en santé, je crois, un peu, non? Bah, je crois... Oh, mais t'as... Oh! Un arc rare! Et bah, je crois que ça sera mon tout premier en... Au top. Ah non mais attends, mais niveau 5? Ouais. Attends, pour toi, parce que... Niveau 5, il a 88 de dégâts. Ah non mais il est trop bien. Pas dégueu. Hein. Je vais mettre dans l'endurance, tiens, allez hop, ça va changer. Non mais par contre, on en parle de la crise qui fait le perso à chaque fois. Une petite fortune en bouteille. Quand on améliore nos compétences. Ah, là. On dirait que ça fait un bout de temps qu'elles sont là. Hé, hey, la one, j'ai trouvé tes chaussures. Super, maintenant casse-toi de là. Oh, dommage. C'est un joli petit nid douillet avec le vin, la vue et la musique. Je découvre une toute autre Lawan. Et tu sais quoi? Qui que ce soit, je comprends ce type qui l'a aimé. Va te faire mettre, Aiden. Oula. Et je voulais pas... Lawan, attends. Quoi? Akon? Oh, sale connard. Aux fugaces instants, l'amour résiste ainsi. Les jours derniers seront pour lui les plus grandioses. Oh merde, Lawan! J'avais raison! Ouais, c'est vrai que tu l'avais dit au début, hein. Ouais, au tout début, j'avais dit ça se trouve, c'est lui qui lui a brisé le cœur. Le flair! Bah, bon, en même temps, lui, il arrêtait pas au début, donc c'est vrai que ça pouvait. Ouais. Ça pouvait se comprendre, ouais. Attends. T'as vu un truc? Bah, je sais pas où on... Ah non, il faut qu'on ressorte. Par là. Ok. Elle est plus là.
Ouais, bah, prévisible, hein. Ça valait bien la peine d'aller lui chercher ses chaussures. On a une paire de chaussures en rab. Grave. Allez, je voulais pas te vexer. Retrouve-moi sur le toit. Sur le toit, C'est que j'ai failli sauter, hein, donc heureusement. Tu me donnes mes chaussures et tu te bats. Pas étonnant que tu viennes ici quand t'es énervé. Non, si, c'est en bas, hein, je crois. Ah, c'est en face, regarde là. On a le point, ça y est. Ouais. Attends, mais non, c'est pas... Non ! Je me suis dit, pour une fois, je vais utiliser le parapente un petit peu plus tard pour pas gaspiller la stam bêtement. Sauf que le temps qu'il déploie, ben... Ouais. Qu'est-ce que je fais ? Mais je suis trop nul en parapente, hein, c'est terrifiant. Hein. Oh non ! Je meurs. En faisant quoi ? Bah, j'ai sauté, j'ai glissé. Par contre, bah, je vais en profiter, ça, justement, je voulais... checker un truc, j'en profite tant que je suis mort. Bah vas-y. Hyper compliqué de monter là où elle veut, là. Quoi ? Mais comment t'as fait pour jet là ? Ah, oh, puis c'est le toit d'en face, mais c'est pas vrai ! Ok, c'est bon. Comment j'ai fait quoi ? Pour aller aussi vite. Ah, bah, tu sais que je m'étais fail, je me suis loupé, et j'ai juste fait un retour window, et quand je suis revenu, j'étais là. Du coup... Ah ! Ah bah d'accord. Allez, attendez la voile. On doit l'attendre. Tes chaussures. Et prends ça aussi. Bah monsieur, il a pas à la récupérer. J'avais pas pigé que toi et Akon étiez ensemble. Pourquoi tu crois qu'il est prioritaire sur ma liste ? Ouais, je comprends. C'est pas parce qu'on lit de la poésie qu'on mérite pas de mourir. Vous vous êtes séparés parce qu'il avait abandonné Franck ou... Est-ce qu'il a abandonné Franck parce que vous vous étiez séparés ? C'est pas tes affaires, Aiden. Ça te regarde pas. Quoi qu'il se soit passé, c'était une erreur, ok ? J'aurais jamais dû être aussi naïve. Voilà pourquoi je voulais pas que tu fourres ton gros nez partout. Putain, t'aurais pu respecter ça, au moins. Je suis désolé. C'est bon, oublie. Vous envoyez là-bas, c'est parce qu'elle voulait qu'on le découvre, hein. Faut arrêter un moment. Ouais, surtout que les chaussures, quand tu les prends, automatiquement il y a la photo en dessous. Tranquille. Ah, alors, allez, oublie ça. Ou alors, et qu'est-ce qui se passe ? Non, mais qu'est-ce qui se passe ? On va pas dire ça. Mais on sait très bien, on oublie tout ça, vas-y. La bouteille. Un moyen super original de gérer le manque. Attends un peu, je connais quelqu'un d'autre qui fait pareil. Tu le connaîtrais pas par hasard ? Le sarcasme, c'est vraiment pas ton truc. La concurrence est rude ici. Au moins, tu pleures plus. Je pleurais pas. Ouais, un truc dans l'œil. Je suis content que tu l'aies. T'es gentil, ferme-la. D'accord, si tu me files quelques médocs de Franck.
Ok. Tu peux rester si tu veux. Mais m'interromps pas. Je suis occupée. À te bourrer la gueule ? Mais non, crétin. Je regarde les étoiles. Hé, hey, je vois la grande ours. Eh ben, t'en sais des choses. Sauf que la grande ours est de l'autre côté. Ah, oups. Ça valait le coup d'essayer. Tu connais d'autres constellations ? Ouais. Franck me parlait souvent des étoiles avant. On construisait le fisheye. J'aimais bien grimper sur l'échafaudage jusqu'au toit. Franck montait me dire qu'il faisait trop froid, qu'il était trop tard. Mais il finissait toujours par me raconter des histoires, pendant des heures. J'adorais l'écouter. Les étoiles brillent tellement, elles sont si proches, qu'on a l'impression de pouvoir les choper par les boules. C'est ce que disait Franck. Joli, hein ? Et toi, Aiden ? Quoi, moi ? Ça arrive aussi que les pèlerins aient le cœur brisé. Ça sent la romance, quand même, là. Alors ? Bah, ça fait un moment que ça sent la romance, hein. Je suis désolé, mais... Ah oui, déjà, ça fait longtemps. Déjà, la première fois, quand on rencontre son pote, qu'elle insiste bien sur le... Non, non, moi, je suis célibataire, hein. Oui, déjà, c'est vrai. Alors, c'est un peu ce qui est en train de m'arriver. Oh, non, mais... Ouais. C'est plutôt l'inverse ou jamais. C'est plutôt l'inverse ou jamais. Allez, vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'on raconte ? Allez, c'est un peu ce qui est en train de m'arriver. Oh là là. Allez. Eh ben, laisse tomber. Intimide. C'est pas du tout ce qu'on voulait dire. Bah oui, par contre, je comprends pas. Du signe. De quoi ? Là, regarde. Le signe. Quand je regarde les étoiles, c'est toujours lui que je vois en premier. T'es en train d'inventer tout ça pour m'impressionner. Peut-être. Peut-être pas. T'es impressionné ? Assez, ouais. Parler d'Akon, parler du poème, il faut qu'on dorme. Non, on peut pas parler bon, de... Ni l'autre, on en fait, on va pas remuer le couteau. Ouais. Tu sais ce poème ? Il faut qu'on dorme. Mais... Aiden, si je vois Akon, je le tue. On lui récite le poème, comme si c'était nous. C'est aussi simple que ça. N'essaie pas de m'arrêter. Oh là là. Ok. Mais tu sais bien que la vengeance ne règle rien. C'est pas pour moi. Mais pour Franck. Je vengerai tous ceux qui sont morts cette nuit-là. Beaucoup d'étoiles se sont éteintes pour toujours. Akon se la joue. Mais quand il a fallu agir, il a abandonné ses potes et ils sont tous morts. Il a montré son vrai visage. Putain de lâche. Bah, le tuer ne changera pas le passé. Ouais, ok. On peut pas revenir en arrière. C'est vrai. Mais je peux l'empêcher d'avancer. Et je le ferai, putain. Ouais. Bonne nuit, Aiden. Alors, si je peux me permettre. Peut-être qu'il vaudrait mieux éviter qu'on se mette avec elle, parce que si on lui brise le cœur... Bah elle nous le brise réellement en fait. elle veut nous le planter avec un carreau d'arva donc. Aiden. Aiden, hey, t'es où ? Ouais, je suis là. Lawan ? Je suis content de te voir. C'était vraiment la merde dans ce bâtiment. Et puis, t'as disparu. Il faut qu'on parle. C'est à propos de la base de données du GRE. J'ai enfin du concret. Je t'attends sur le bateau. Merci, Jack. Je te retrouve dès que je peux dans tes quartiers. Lawan ? Lawan, t'es là ? Lawan, allez, tu m'entends ? Dis-moi juste que tu vas bien. Oh là là, insupportable. Et là, par contre, il est relou, hein. Quelle histoire terminée, chaussures, oh là, je te jure. Alors, j'ai débloqué un skill. Ouais, pareil. Un de chaque côté, j'ai. Moi, je vais mettre ton truc tic-tac ou course sur mur. Pour de longs combos. Ah oui, moi c'est le combo sur mur, oui, c'est ça. C'est vrai que c'est le combo sur mur que j'ai pas eu l'occasion de tester encore, mais qui normalement était assez fort, enfin avait l'air assez fort. Par contre, je sais pas trop quoi prendre. Là, sincèrement... Allez, je vais prendre ton truc de fracas. Truc de sauter là et d'écraser la tête, là, tu sais. Ouais. Moi, je peux faire l'amélioration de ce truc.
Mais bon, faut appuyer sur espace après fracas pour exécuter cette action. Ah, il y a le puissant coup de pied et voltige. Tu l'as, toi, celui-là ? Je crois pas. Je regarde après, dès que je me pose. Ah la vache. Tellement risqué. Le coup de pied... Déjà, le coup de pied voltige, il est où ? Ah, mais c'est dans les combats ? Ouais, combat et les côtés droits. C'est en haut. T'as coup de pied aérien. Et après, t'as puissant coup de pied avec voltige. Oui, ça je l'ai. Ah ouais. Oui, oui, oui. Ok, c'est stylé. Ok, de toute façon, tout ce qui est coup de pied... tout ce qui est coup de pied, c'est bon. Hein. Bon, allez. Hein. Ah, il est où ce point ? Ah oui, quand même. Ouais. Parapente, parapente, tout ce que t'aimes. Bah ouais, mais là... Je sais pas encore la technique, je pense, pour le parapente. Hein, parce que là, je bouffe déjà toute ma stam et tout. Oh, je l'ai pas non plus, hein, t'inquiète pas. Hein. Ah ouais. Bon, et puis on va pas se mentir. Autant descendre, j'irai plus vite à pied, quoi. Mais ça, je suis d'accord. Leur d'inhibiteur, mais... Ah mais c'est pas ici, ouais si, ça j'ai reconnu, c'est là où il y a les... où il y a des genres d'arbalètes... mais fixes. Enfin les lance-disques plutôt. Ah oui. Oh. Ah oui j'avoue, attends, sur les murs du coup. Je dois pouvoir faire des combos assez longs. Alors je crois qu'il faut que... Je sais pas, pour qu'il soit plus long, je sais pas s'il faut pas que je fasse plusieurs moves différents. Genre marcher sur le mur, je peux peut-être faire un jump remarché ou je sais pas. Et Hitor, il s'est toujours pas réveillé dans cette histoire ? Bah écoute, en tout cas, on nous a pas donné l'info. Hein. Bah ouais. Le Vlad qui arrive, le héros. Je suppose que ton message est reçu 5 sur 5 maintenant. Je t'en dois une, Aiden, vraiment. Nos messages peuvent atteindre tout le monde. Je sais pas comment te remercier. Bien sûr que si, c'est facile. Le docteur du GRE. Bien sûr, tu vas toujours droit au but, hein. Comme un carreau d'arbalète. Oh, dommage que Rove et les garçons ne voient jamais ce qu'ils ont accompli. Enfin, la campagne d'information fonctionne. Et tu peux me dire quel est l'élément le plus important d'une campagne d'information ? Je m'en fous. Un message ? Vas-y. Tu veux vraiment mettre « je m'en fous » ? Oh non, non, mais vas-y, mets le message. Le message ? Un message. Le message est une partie de son succès. Juste une partie. Ce qui compte, c'est... C'est... Vas-y, continue. La portée. La portée ? À quoi servent les bonnes nouvelles, si personne ne peut les entendre ? T'es en train de me dire que pas assez de gens peuvent entendre tes bonnes nouvelles ? C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Encore une fois, Aiden. Quoi ? J'ai rempli ma part de notre marché. Maintenant, c'est ton tour. Il s'avère que c'est plus difficile que je le pensais. Matt ? Non ! Tu sais à quel point c'était dur là-bas ? Je sais. On apprécie tous tes efforts, mais... Le docteur dont je t'ai parlé, il se cache. C'est pour ça que tu cherchais, non ? Pour le trouver, Matt, j'ai rendu possible toute ta propre... Pardon, ta campagne d'information. Et tu peux même pas trouver une seule personne pour m'aider ? On pensait avoir une piste il y a deux jours, mais c'était une impasse. J'en ai rien à foutre ! Ça prend trop de temps ! Tu l'as promis. Je sais. Et j'ai l'intention de tenir ma promesse. On enverra des informations via notre émission. On demandera à tout le monde. Tout le monde.
Je demanderai des informations concernant ce docteur à tous ceux qui nous rejoindront. Ce que je te demande, c'est de m'aider à augmenter la portée du signal pour qu'il atteigne plus de gens. Et notre recherche sera plus efficace. Oh putain! C'est pas comme ça que ça devait se passer. Je sais. Mais nos objectifs s'alignent, comme tu peux le voir. Dis-moi juste ce que je dois faire. Merci, Aiden. Voici les positions des antennes. Il faut juste les ajuster à notre fréquence. Après ça, plus de faveurs, Jack. La première antenne se trouve au sommet du plus haut immeuble de bureau du Wharf, près du parc au sud de Marsh & Lane. Bonne chance. Bonne chance. Moi, je vais aller chercher moi-même, ouais, surtout pour moi, là. Pourquoi bah, on traite pas nos propres affaires, là, à un moment, parce que... On fait les affaires de tout le monde, là, et... Ah, c'est chiant, au bout d'un moment, leur truc, hein. Bah vas-y, on y retourne, hein, mais bon. Mais surtout que là, j'avoue qu'il sert ouvertement de nous, lui, par contre. Ouais. Genre, après ça, ce sera encore autre chose. Bon, j'espère vraiment qu'Aitor va se réveiller et qu'il va prendre sa place. Hein. Bah, prendre sa place, non, il prendra pas sa place, en tous les cas. Si on le tue. Attends, sans déconner. C'est bon, au bout d'un moment, le gars, il profite, y en a marre. Bah, sachant qu'Aitor, en plus, dis-toi, c'est une quête secondaire de l'avoir sauvé, donc tu vois, on le revoit pas vraiment, en fait. Ça se trouve, on va même pas le revoir. Bah peut-être que la quête secondaire va impacter, va devenir quête principale, on sait jamais. Elle est super trop là. Ah ouais, non mais moi je l'aimais bien, Aitor. Je trouvais qu'il était droit et tout. Elle était réglo, jusqu'à c'est présent. Ça. Bon bah let's go pour aller au sommet de la plus haute tour. C'est même pas la plus haute en plus. Non. Donne-moi un peu de temps. Je sais que tu t'inquiètes. J'étais un peu comme toi quand j'ai rejoint l'armée. Bon, noble, avec un but. Je croyais que je pouvais changer le monde. Mais le monde a continué à changer. Tout comme ses institutions. Et... on peut peut-être enfin le changer. Pour le mieux. Mais non. Bon sang. Préviens-moi quand t'auras repéré la première antenne. Je trouve qu'il tousse beaucoup quand même. Ouais. J'avoue que moi c'est pareil, hein. Tous les moves que j'essaie de faire là, depuis qu'on a le grappin, tu sais, j'essaie de faire des moves au grappin. Ouais. Et tous les moves que j'essaie de faire, ben t'inquiète pas que c'est foireux, hein. Ouais, bah moi c'est pareil. Aiden, t'as parlé à la One? Pas vraiment. Bon sang. Elle s'est pas montrée à la cantine. Elle répond pas à sa radio. Où est-ce qu'elle est? Elle est partie chercher Econ, faut pas désolé. S'inquiéter. Désolé. Je vais t'en foutre, t'es désolé. T'es une mauvaise graine, Aiden. Tu nous as vraiment baisé. Et tu leur as donné la station en sachant combien ça nous ferait du mal. Si quelque chose leur arrive encore une fois... Waouh, doucement. Comment ça, encore une fois? Lawan a sa liste de types à buter. Ça l'obsède. Sa liste finira vraiment par la tuer, Aiden. Tu dois vraiment te ressaisir, Frank. Je te préviendrai si j'ai des nouvelles de Lawan. Merde. Bon, c'est pas que j'ai galère à trouver un endroit pour monter. Oh là là. Je suis tâche. Moi, il se passe des trucs, hein. Mais je galère. Je suis monté sur un lampadaire. Là, viens. Oui, alors c'est exactement ce que je voulais faire là, et je voulais sauter là-bas, mais je suis tombé, et surtout du lampadaire, j'arrivais pas à monter. Moi, j'ai réussi avec le lampadaire. Ouais, ben de mon côté, j'ai pas réussi. Oups. S'il y a une molo qui part, c'est moi. Mais quoi? Oui, j'ai mis ce clic. Par contre, j'ai fait un rattrapage là, nickel. Ah, mais tu vois, de là, je peux pas sauter jusque là-bas. Bah moi, il y avait un lampadaire. Je l'ai pris et du coup, j'ai pu sauter sur une rambarde de l'immeuble. Ah nickel avec le grappin. Ouais, du coup après, genre il faut que je monte comme ça là-haut. Après, faut que tu montes de rambarde en rambarde. Au bout d'un moment, t'auras le grappin pour t'aider. Il y aura des trucs jaunes. Ouais, je l'ai vu ça après. Est-ce que je peux atteindre là? Ok. Mais là. Comment c'est chaud cet endroit? Il y a pas intérêt à retomber, sinon c'est foutu. Oh, il y a un conteneur d'inhibiteur là où je suis. Bah, je t'attends comme ça quand t'ira. Tu pourras pas le rater. Ah oui, c'est. Quand tu dis c'est chaud, j'avoue, c'est stylé par contre les moves. Ouais, t'as vu? Là, c'est quoi? C'est sur le mur ou c'est. Non, c'est au-dessus, ok.
Ouais, j'avoue que c'est bien stylé par contre. Oui, c'est ça, ça ajoute des mécaniques, c'est plutôt cool, ouais. Je t'attends, comme ça il y a un conteneur d'inhibiteur, tu le récupères. Oui, je te vois, coucou! Il est là à gauche. Comment ça fait... Oh là là! Alors je te préviens, après ça fait flipper. Hein. Oh là là! Je te regarde. Ça va? Oh quel crack! Moi ça m'a fait peur. Hein. Je me suis dit un misclic et c'est fini. En vrai, il y a un move en bas qui m'a fait un peu plus flipper que celui-là pour le coup. Ah ouais? Ouais. Je peux peut-être monter par l'intérieur, je pense. Mais... Bah là, il y a un bâtiment, ouais, je pense que c'est dedans, non? Je pense que c'est dans le bâtiment. Genre là. Bonjour. Ça fait dodo ici? Il y a un ascenseur en plus. Bah, pourquoi je peux pas l'éliminer? Ah, ça y est. T'as été dans l'ascenseur? Ah, je suis à l'extérieur, moi. Ah mince, c'est peut-être pas du coup là où je suis? Si, si, je pense. Ah, j'essaye de... J'essaye un peu de feinter le jeu. C'est-à-dire? C'est-à-dire de faire des moves un peu tricky, quoi. What the fuck? Ok. Oh! Oh! Ah moi ça dort bien là où je suis hein. Je sais pas ce que tu fais mais ça a l'air cool. Alors que non moi, mais là c'est... en vrai là j'ai repris un move normal en fait hein, là à l'extérieur je peux passer. Non. Bah je pense que t'as pris en fait ce que moi j'ai fait tout à l'intérieur. Parce que là maintenant je suis de nouveau dehors. Oui, bah en fait moi au début c'était un peu tricky mais après là ça reprend un move normal donc je pense que oui là il faut être dehors. Mais attends c'est le move que j'ai déjà fait tout à l'heure ça, qu'est-ce que je fais? Je commence. Ah mais il y a plein de fois les mêmes moves hein, de toute manière. Ah, ah coucou. Bah tu montes de plus en plus quoi. Oui non mais j'ai cru pendant 2 secondes que je refaisais le même pattern mais que je me bourrais quoi. Non, non, t'inquiète. C'est normal. Non mais t'imagines dans la vraie vie, sans déconner. Tu vas me dire, je sais, c'est impossible. Dans la vraie vie, tu peux pas faire ça. Et quand bon, même... si, tu peux faire. Ouais. Les mecs qui font du parcours et tout, mais je pense que là, t'es mort. Hein. Ouais, par contre, tu te loupes. Moi, quel vertige déjà, là, c'est mal barré. Oh non. Ah du coup t'es avec moi là? Ouais ça y est ça m'a remis ici. Ok bah je t'ai montré, normalement je t'ai descendu des échelles à certains endroits. Enfin un ouais, endroit au début. Après j'avoue que je suis un peu monté. De toute façon je pense que là tu vas pouvoir activer le truc, ça va être bon hein. Ah j'ai trop peur de sauter là-dessus. Je veux pas tomber maintenant. Il faut. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette séquence? Mais c'est une séquence hyper angoissante, dis donc. Oh, je suis arrivé. Oh, bien joué. Oh là là. Oh, ce petit parcours, là. Je t'entends, t'es tout tremblant. Ah, là, je suis en sueur. Hein. Ah non, mais quand je vois la hauteur, juste par rapport à l'en-dessous, mais alors tout. Oh là là. Oh là là. J'avoue que c'était haut, hein. Alors, voyons voir. J'ai débloqué un. Quoi? Pourquoi il m'ouvre ça? Pourquoi ouvrir la map? Je vais ouvrir le truc de parcours. Qu'est-ce que je voulais débloquer après? Ah, le saut rotatif, je voulais tester. Sinon, c'était l'escalade rapide. En vrai, escalade rapide plutôt avant, je pense.
Ouais, vas-y. Oh, la vidéo, au début, je trouvais ça long de monter les trucs de parcours et tout, mais finalement, quand je vois où on en est là déjà, c'est pas mal. Hein. J'active. Ah, du coup, t'es monté aussi. Ouais. Okay. Ça, c'était plus simple que le bâtiment. Bien joué. Le boucher ne s'attendra pas à ça. La prochaine est sur le toit d'un immeuble à l'intersection du Queen Harriet Boulevard et de Dunton Avenue. T'as déjà travaillé avec le boucher. Qu'est-ce que tu penses qu'il prépare ? Je sais vraiment pas, Aiden. Le boucher a toujours été un mystère pour moi. Le bon chef écoute et apprécie les bons soldats. Lui ? Jamais. Jamais. Et maintenant, peu importe ce qu'il prépare, il doit être arrêté à tout prix. Oh. C'était quoi ? Aucune idée. Je vois des flammes et de la fumée. Les renégats, ils mijotent quelque chose. Tu ferais mieux de vérifier. Bah bien sûr, okay. Hein. On va tout vérifier, toujours. Je t'avais dit qu'il allait encore nous demander des trucs. Voilà. C'est vrai. Je suis sûr c'est lui qui a fait exploser juste pour nous demander des choses. Et là, on le trouve là-bas, le mec pyromane. Merde. Aiden. Les renégats viennent de détruire une des autres. Et ils sont sur le point d'en détruire une autre. Dépêche-toi. C'est la dernière. Dépêche-toi, mais t'as pas une armée en fait ? Ouais, c'est ce que... Ouais. Je vais aussi vite que je peux. On doit vraiment tout faire tout seul, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Et surtout, j'ai plus de stam là, je vais bientôt tomber donc on va descendre. Oh là là, 1 minute 50. Il y a un timer. Hein. T'inquiète. Ok, reprends ta stam s'il te plaît. Oh, stylé. Au cas où. Pas le temps pour lutter. C'est bon, je les vois les gars. Ah, tu es déjà toi ? Ouais. Tu t'es mieux réussi que moi. Bah, ce serait bien la première fois. Hein. Oh bah écoute. C'est suffisant. Je vais te laisser le faire hein, parce que... Mais t'as fait comment d'ailleurs avec le parapente? T'as eu assez de stamina pour y aller? Bah en fait à un moment j'ai eu un autre... comment t'appelles ça là? Ah oui, un boost de stam, mais moi je l'ai pas pris, je l'ai pas vu. Ok. Bon, ceci dit en fait je suis pas loin là. Tu vois, regarde, ouais. Et puis même moi je suis en bas, tu vois, j'ai descendu. Non. Ah non mais j'y suis moi en fait, j'y suis avant toi au final, tu vois. Parce que moi je suis descendu, j'aurais pas dû. Allez, let's go. Explique-moi tout ça là, fais le tri. Attends, parce qu'il faut désamorcer, il faudrait qu'on soit deux là. T'inquiète. Attends, on va vite changer d'arme. C'est quoi déjà la touche pour le coup de pied? Tu sautes et double F. Ah, double. Attends, tu m'aides en tuer un ou deux. Et ensuite, on désarme, ok? L'arme par contre elle découpe. Hein. Oh non, non, j'avais esquivé. Ok, je vais essayer des âmes. Ok. Je cover. C'est bon. Ah, par contre, ça découpe cette arme là. Ah, on a tellement step up. Non, par contre, c'est des niveau 4 là. Attends, il y a encore les autres à faire avec un timer ou pas? Et là j'ai buté un mec. Ouais, t'as des zombies qui ont pris la place, MDR. Ah oui. Jack, t'es là? Jack, j'ai détruit le canon. Ici le docteur Steven. Jackman n'est pas disponible pour le moment. Y a-t-il quelque chose? Donnez-moi ça. Mais monsieur, vous devez vous reposer. Sortez! Maintenant! Aiden? Je me suis occupé de ces types et le canon est HS. On a un point derrière. C'est ce que je voulais entendre. C'était la voix de qui là? Bien vu. Personne. Préviens-moi quand tu activeras la prochaine antenne. Eh oui, il veut pas nous dire, hein. Mais nous on sait. Ouais. En même temps, il arrête pas de tousser le mec. On se doute que le Covid, voilà quoi. Ouais. Je peux y monter moi. C'est quoi ça? J'ai un truc en placement inconnu. Hé, hey, toi, Gadjo, qu'est-ce qui se passe avec la One? Elle répond pas à sa radio. Elle m'évite aussi. J'en ai rien à foutre de ce qui se passe entre vous deux. Mais si quelque chose lui arrive, t'es un homme mort, t'entends? Mais ça,
Calme-toi, Danior, j'ai des nouvelles d'elle. Elle m'a juste dit de pas s'inquiéter et elle a coupé le contact. Je suppose qu'elle a besoin d'espace. Et c'est ce que je lui donne. Mais t'es libre de la chercher toi-même. Va te faire foutre, Gadjo. Ah, j'arrive à faire la roulade maintenant, c'est trop stylé. Ah ouais? Ouais. Attends, c'est quoi, c'est ce bâtiment? Il faut monter là aussi? Ou il faut aller derrière? Là où je suis, je pense. Ouais. Hein. Une corde en plus pour remonter. Ouais. Par contre, tout le monde nous engueule par rapport à la One, ça va 2 minutes, hein, l'histoire. Nous, on y est pour rien. Bah ouais. Juste essayer de chercher les chaussures, quoi, à la base. Grave. Voilà, c'est fait. L'antenne fonctionne. Bien. En attendant, je suis en train de réfléchir à un texte pour la nouvelle campagne. Tu veux bien m'aider? Quoi? Non mais j'ai pas que ça à faire. Non mais le docteur, allez, bah ouais, là, c'est bon. Je préférerais parler de ce docteur du GRE. Bien sûr, je comprends. Oh putain! Qu'est-ce qui se passe? Non, tout va bien. En rapport, soldat! Les renégats et leurs canons. Merde. Vu. L'antenne est toujours là. Tu dois les arrêter. Et tu crois que je fais quoi? L'antenne tient debout pour l'instant. Bon. Écoute, on doit botter des fesses, là, c'est parti. Tu vas voir l'efficacité, hein. Bah, déjà... Moins deux. Ah non, ils sont pas tombés. Oh, j'enlève. Face à l'autre... J'entends les bruits au loin. Ok, on en a un autre. C'est géré. Allez. C'est nickel. Il voulait me cracher du feu dessus, le mec il avait le feu partout autour de lui, il est en train de voler. Tant mieux. Ah, j'ai réussi à faire la roulade là tout à l'heure quand j'ai sauté de haut, franchement j'étais plutôt fier. Ah j'ai pas réussi là. Juste au moment où je dis ça je me suis éclaté au sol, je me suis quasi tué. Oui, j'ai un PV. Oui je me suis éclaté là, je m'attendais pas à tomber. Vas-y, j'enlève la mèche. Ouais. C'est bon. Mais ils esquivent mes coups de pied. Jack, c'est réglé. J'avoue que l'ancien katana, c'est plus ce que c'était maintenant là. Il y a une recrue ici qui sait comment trouver ton médecin. Bah. Parfait, j'arrive. Je me retourne, je vois l'autre qui tombe aussi. Mais ouais, non, en tout cas, la première fois que j'ai réussi sur le move, j'avoue que c'est vachement satisfaisant d'arriver à faire la roulade. Ah non, c'est cool, hein. Mais par contre, là, je m'attendais pas à tomber d'aussi haut, en fait. J'ai même pas tenté. C'est plus bas de toute façon. Ah, il y a un truc là. Ah non, c'est un donneur de quête. Oh, c'est bon, monsieur, on n'est pas intéressé. On peut se grappiller là. Oula. Ma stam, bravo. Bah tu vois, j'étais en train exactement de me dire la même chose. J'étais en train d'attendre pour ma stam, je vois sauter, je me suis dit, c'est vrai qu'elle a beaucoup de stam depuis tout à l'heure, je trouve là. Oh c'est bon, je suis pas morte, hein. J'ai pas pris un dégât, mais... Au final, on finit quand même au sol et c'est plus rapide, donc... Ouais. Mais on retourne... Ok, on retourne là-bas direct. C'est ça que c'est un peu long. On va voir pourquoi ils toussent.
Les hommes de Rainer ont commandé plein de lampes à Matt. Ils pourront peut-être enfin éclairer les rues correctement. Aiden, approche. J'ai entendu Aiden approche, mais... Ouais, moi aussi, mais je me suis barré. Ouais, pareil. Au bout d'un, ça suffit. Hein. Aiden, t'es là. Je suis content de te voir. Ok, c'est tout pour le moment. Alors, t'es toujours ici, Gadjo. Merci, mon ami. Pour tout. Comment est-ce que je pourrais te rendre l'appareil ? Bah... Mais... Il est amnésique, le mec. C'est... Oui, c'est une blague ou... Tu peux enfin me dire comment trouver ce médecin, comme promis. Bien sûr, bien sûr. Amenez-moi le cas des Gunther. Aiden, on a aussi localisé l'équipe d'un officier renégat. Si on les attaque, on aura le dessus. J'ai déjà réuni une équipe qui inclut Lawan. Tu veux participer ? Et si on parlait d'abord de ce docteur ? Comme tu veux. Gunther, voici Aiden. Tu es ici grâce à ses efforts. Ravi de vous rencontrer. Oui, j'ai entendu parler de vous. Chef ! Ravi de vous rencontrer, chef ! Ah, oui, oui, chef. Dis-lui ce que tu sais à propos de ce docteur du GRE. Le docteur travaille toujours au bazar. Au bazar ? Vraiment ? Il s'appelle comment ? Ryan. Veronica Ryan. Waouh ! C'est elle ? J'hallucine. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle ? C'est une des premières personnes que j'ai rencontrées quand je suis entré dans la ville. Tu connais bien le vieux Vildor, pas vrai ? Ouais, c'est bien. Est-ce qu'on demande ce qui se passe ou pas au bazar quand même en ce moment ? Ouais, demande, on sait jamais. C'est comment là-bas maintenant ? Depuis le départ d'Eitor, les pacificateurs ont été chassés. Beaucoup de vos hommes sont morts là-bas, chef. Des rumeurs racontent que les renégats ont pris le contrôle de toute la région. Et tout le monde vous hait littéralement pour ce que vous avez fait, chef. Oui, bon. Ok. Alors, où est-ce que je peux trouver ce docteur ? Quelque part dans les environs de l'église. Excellent. Enfin. Ok, Cadet Gunther, c'est tout. Maintenant, retourne à ton entraînement. Oui, chef. Bonne chance, Aiden. Bon sang. Eh, tout va bien ? Par bordel de merde ! Bah oui, logique. Le mec, il va tomber par terre devant nous. Oh, bon, on y va. Il va buter tout le monde, allez hop. Ah, ça y est, je voyage rapide. Ouais. Bon, ça va, en vrai, t'es à côté maintenant. Ouais, au moins je serai dedans, quoi. Ah oui, c'est ça bon. N'a plus rien à voir. Ouais, c'est déserté, il y a des morts, il y a... Oh ! Ah oui, bon, vas-y, on va lui parler. Hein. Elle va être contente. Sophie ? Qui a fait ça ? Toi. Toi. Et les pacificateurs ? Son bras ? Tes amis, ils ont attaqué le bazar. La plupart sont morts en le défendant. Je te l'avais bien dit. Je t'avais dit qu'ils n'étaient que des assassins. Avec... leur fausse promesse de paix. Et regarde. Regarde ce qu'ils ont fait au bazar. Mon territoire. C'est ça la paix pour toi, Aiden ? Toutes ces années d'efforts. Toutes ces années à se battre. Pourquoi est-ce que t'es venu ici ? Je cherche la médecin Véronique Ryan. Eh ben, t'as de la chance, espèce d'enfoiré. Elle a survécu. Où elle est passée ? Pourquoi est-ce que je devrais te le dire ? Sophie, j'ai pas commencé cette guerre. J'essayais de te prévenir. Tu sais quoi ? D'accord. Cette salope de Ryan aidait les pacificateurs. Elle disait qu'ils étaient comme nous. Mais c'est pas le cas. Vu comme je te connais, quoi que tu veuilles d'elle, tu vas probablement finir par causer sa mort. Et c'est une bonne chose. C'est tout ce que je lui souhaite. Pour autant que je sache, il y a des renégats qui cherchent à l'éliminer. Aux dernières nouvelles, elle se cachait dans un immeuble au nord de Quarry End, sur Courtesan Row Street. Merci. Dégage de là, sale minable. Je suis désolée, maman. Tant d'efforts. Tant d'efforts. Ouais, ouais, allez. Allez, pour... continue de régner sur ton ouais, bazar. Allez. Nous, on y va. Plus il y a du monde... Du coup, trouvez Véronica. Allez. Nous, on n'a pas que ça à faire.
Par contre, ça fait tellement bizarre de voir l'état du... Bah ouais. L'état du bazar maintenant. Et du coup, regarde, sors là, regarde ce que je disais, tu vois, même là, c'est désert et... Et genre, t'as vu en plus quand t'arrives ici, sans lampe, regarde, c'est tout sombre. Ouais, je voyais rien là, c'est pour ça que j'ai dû activer la flashlight. Ouais. Et tu vois, à l'extérieur, il y a que des zombies ici, en fait. Ouais. Du coup, c'est comme tu veux. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête là, comme ça, la prochaine fois, on va directement chercher le médecin? Ouais, on peut faire ça, on peut s'arrêter là, ouais. Voilà, comme ça, on est quand même j'allais dire une zone safe, plus du tout, ça ne l'est plus. Absolument pas. Mais voilà, on est bien, hein. On est pas mal là, franchement on est posé.